Merci. Mais rassurez-vous, je ne ferai pas de discours. Je veux simplement lever mon verre au seul footballeur qui, à ma connaissance, ait offert à ses dirigeants un banquet avec sa prime de match. Je lève donc mon verre à François Perrin, numéro 9 sur le terrain, mais ce soir, à cette table et dans nos cœurs, numéro 1. Moi, je lève mon verre à la plus formidable bande de salopards que j'ai jamais rencontrée. Je lève mon verre au tas d'ordures qui m'entourent. Il y a de quoi remplir une sacrée poubelle. Si c'est une plaisanterie, j'avoue que je ne la trouve pas très drôle. Silence ! Nom de Dieu ! J'essayais de vous faire rire. C'est l'histoire d'un mec qui viole une fille. Et comme on a besoin de lui pour jouer au foot, on accuse un pauvre connard. Vous le connaissez, président? Ouais. Je vais la raconter. Asseyez-vous! Vous serez mieux pour rigoler! Asseyez-vous! On ne bouge pas! S'il y en a un qui se lève, je raconte tout à la presse. Tout ce que je sais. On se tait! C'est moi qui parle, maintenant. Toi, Brochard, t'as fait un faux témoignage, à cause de toi, j'ai pris 2 mois de prison, alors écoute-moi bien. Demain matin, je prendrai ta belle bagnole, je viendrai dans ton beau garage, je jouerai aux autotamponneuses, je vais faire du stock-car dans ta vitrine, mon salaud, je vais tout bousiller chez toi, ça, jusqu'à tes pompes à essence, ça sera plus un garage que t'auras, ça sera un cimetière de voiture! Demain matin! Toi, Lozeran, j'hésite. Un marchand de meubles, il y a 2 solutions, le feu ou la hache. Le feu, c'est joli, la hache, ça défoule. Demain matin, je déciderai. Et quand je sortirai de chez toi, ça sera de la cendre ou du petit bois. En tout cas, ça sera plus des meubles. Vous, je viendrai vous voir demain. Et je vous foutrai des tartes dans la gueule jusqu'à ce que j'en ai mal aux mains. Et si vous essayez de vous défendre, hein, Sylvain Auville, que vous m'avez frappé, que je peux pas jouer samedi à cause de vous. Et toi, ta chevalière? Ta chevalière s'appelle chevalière en fait par Simone? La foutre aux chiottes! Et toi, Berry, tu m'as interdit de franchir la porte de ton bistrot. Hein. Je viens de répandre le champagne demain. Mais je passerai par la vitrine. Je vais prendre mon élan sur le trottoir d'en face et je te foutrai en l'air ta putain de vitrine! Mais alors, ah, non, mais merde alors! Qu'est-ce que t'attends, nom de Dieu? Berthier. Pauvre Berthier. Ah, toi, Berthier. Remarque. T'as de la chance parce que en prison, il y a une équipe de foot, alors comme ça, tu pourras t'entraîner. Hein? L'ennui, c'est qu'ils ont laissé les poteaux de basket au milieu du terrain, mais tu te démerderas, toi. Hein? Prenez donc un petit alcool, je vous l'offre. À demain matin. Si mal on rentre.